Merci Jésus, merci. Vous savez, les noms ont leur signification et leur impact. Et ça, c'est beaucoup très important de savoir dans quel mois vous êtes, quel est l'impact du mois sur la vie de chacun d'entre nous. Amen. Quand vous regardez dans la création, vous comprenez déjà que Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et la Bible déclare que c'est le premier jour, n'est-ce pas? Est-ce qu'on me suit un peu? Est-ce qu'on me suit un peu? On me suit un peu? Alléluia. Est-ce qu'on me suit un peu? Vous savez que les noms qui ont été donnés, les noms du jour, nous suivons un calendrier romain. La preuve, c'est que les Juifs n'ont pas le même calendrier que nous. Vous êtes d'accord avec moi? Pendant que nous fêtons nos janvier, ils sont pas en janvier et nous. Ils ont leur premier mois de l'année. De la même manière que les satanistes que vous voyez, ils ont aussi leur premier mois de l'année. Et la plupart des satanistes, leur premier mois de l'année, c'est Mars, et l'esprit Mars, et cette planète de guerre, l'esprit guerrier. Donc, monsieur un peu. Et dans le monde satanique, le mois d'août est le sixième mois de l'année chez eux. Et le mois d'août, c'est le mois des sacrifices. C'est des choses, vous savez, nous avons un monde qui est dans l'ignorance. Et la plus grande maladie qui existe, c'est l'ignorance. C'est pas le cancer, c'est l'ignorance. Ne marchons pas dans le vide. Nous devons savoir où nous sommes en train de partir. Dans quel monde. Et la Bible nous dit, le diable, il est le prince de ce monde. Est-ce qu'on va bien saisir? Il est le prince de ce monde. Quand la Bible dit que le diable est le prince de ce monde, ça veut dire qu'il contrôle, un système. Alors le chrétien doit ouvrir les yeux pour savoir où il est en train de partir dans ce monde. Jésus dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Parce que ce monde appartient à Satan. Donc il faut que nous ouvrons les yeux. La preuve, c'est que lundi, ça veut dire la nuit. Mardi, veut dire mars. Mercredi, veut dire mercure. Jeudi, veut dire Jupiter. Vendredi, Vénus. Ça veut dire Saturne. Et dimanche, je dis, Déchi, le Dieu soleil. L'autre artiste qui est mort, son nom Déchi, ça veut dire Dieu soleil. Il y a des choses, vous ne savez pas, vous rentrez dans les trucs, les noms, les gens, les symboles, voyez sur grand de mort seulement. Oh, le chrétien, son symbole, c'est la croix, n'est-ce pas?
mais une croix vide. On ne sait pas les gens qui aimaient les croix où il y a Jésus. Jésus n'est plus sur la croix. Je suis désolé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette victoire? Je suis désolé de voir les chrétiens se prosterner, soi-disant Jésus sur une croix, Jésus. Mais attends, vous voyez voir Jésus encore sur la croix? Vous ne savez pas l'atrocité de Jésus, ce qu'il a commis à la croix? C'est trop grave, terrible. Est-ce qu'on me saisit un peu? Amen. Comment vous pouvez imaginer encore Jésus à la croix? Oh, la croix est vide. Attends, ne vous laissez pas endoctriner, ne soyez pas dans les doctrines. Soyez dans la réalité biblique. On parle, on dit, ah, le prophète, il est trop critiqué. J'attrape ma tête, je dis, mais c'est que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. On m'a envoyé des messages pour dire, il y a quelqu'un qui a dit, un tel homme de Dieu, telle personne va ressusciter. Ça fait polémique, donc on puisse m'attaquer, m'insulter. J'ai dit, le prophète, on le reconnaît par la réalisation de sa prophétie. J'ai donné les versets bibliques. Donne-moi le contexte. Dites-moi les choses sont bonnes. Moi, je n'ai pas envie de balancer les émotions. Je ne peux pas défendre un homme de Dieu. Je défends la parole de Dieu. Je suis désolé. Je peux t'aider si tu es dans l'erreur. Mais je vais d'abord dire, face à cette situation, voici ce que la Bible dit. D'abord. Voilà. Et puis je vais te puiser dans la parole de Dieu. Pour être serviteur de Dieu, je suis allé faire l'école biblique. Est-ce qu'on va dire ceci? Amen. Quand il y a un événement, ce n'est pas Facebook qui nous informe, c'est la parole de Dieu. Quand il y a un événement, qu'est-ce que la Bible nous dit face à l'événement? Malheureusement, aujourd'hui, on va sur YouTube. Facebook, c'est ça qui nous prend des informations. Quels sont ceux qui ont croyé toute la vie? Une fois toute la vie, tu te lèves le doigt de te poser des questions dans tes listes. Elle dit à quel verset tu as répondu? Qui a une fois lu la Bible une seule fois? Toute la Bible. Les gens disent, mais il y a des gens qui connaissent toutes mes vidéos. De la première vidéo du prophète Casso à la dernière vidéo. Et là, que Dieu nous aide. Amen. Comme si le prophète Casso vient verser le pic. C'est comme si c'était un verset biblique. Mais vous connaissez la première vidéo du prophète. Vous pouvez me demander comment j'ai travaillé tant qu'il a en bas. Vous l'avez encore tapé. Ça, on peut dormir sur ça. On dort quand il est 4h du matin, nous. Je vois même qu'il n'y a pas de vidéo. Il dit, ah, il n'a pas vraie vidéo. Mais en réalité, c'est quoi? Nous sommes en train de vous envoyer dans les réalités de Dieu. On ne suit même plus Dieu. Oh, j'ai un message qui est véhiculé, mais on en défaçait de ce message. Parce que pour nous, en mettant les choses sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour filmer, c'est pour vous montrer la puissance de Dieu. Nous utilisons un moyen de communication pour parler. Si on fait la prostitution sur les réseaux sociaux, il faut qu'on utilise les moyens qu'il faut de notre siècle. On dit même Jésus-Christ ne fait pas ça. Jésus n'est pas de Facebook. Vous savez comment Jésus prend Air France? Lui marchait, il était expert en marche. De notre temps, si tu marches, on dit tu es possédé. S'il veut marcher et la Côte d'Ivoire pour venir en France, c'est vous-même qui allez prier pour moi. Vous allez me faire jeûner et prier. Vous n'allez pas trouver ça normal. Vous avez vu le monsieur est possédé. Il est malade, il faut qu'on le délivre. On l'attend ici. S'il traverse la Méditerranée, vous m'avez le délivrer. C'est un pauvre qui marche dans le désert. Or, à leur époque, leur moyen de déplacement, c'était des marches. Donc, nous sommes dans une phase, dans une réalité, où il y a un moyen de communication qu'on utilise pour communiquer, pour faire le message de Dieu. Mais en réalité, c'est pour vous amener dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que vous retenez? Parce que, malheureusement, les gens ne retiennent pas l'essentiel qui est de venir à Christ et de devenir un véritable enfant de Dieu. Ah oui. Je suis un être humain. Je ne suis pas un chrétien.
Tu as été choisi par Dieu. Il y a des années, tu me disais que j'allais être chrétien, j'allais te frapper. Parce que pour moi, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pour moi, Jésus, c'est un voyou. Moi, je le traitais Jésus comme un voyou. Je ne m'attendais pas à les chrétiens. Quand je voyais les commandes de Jéhovah, je frappais la porte. J'étais le premier à les insulter. Parce que mon père disait, si ceux-là qui les écoutent une minute, ils t'envoûtent. Ils ont souffert un lourd. Aussi, ils ont des œufs, il y a des œufs bizarres auxquels ils arrivent avec ça, leur costume, qu'on les voit. Pour l'once. On a fait ça. Et puis Dieu nous a fait la grâce de connaître Jésus. Alors quand Dieu m'a fait la grâce de connaître Jésus, ce qui m'intéressait, c'est d'aller étudier et mieux le connaître pour mieux le servir. Ah oui, il faut le connaître pour le servir. Et on a l'impression que les gens ne savent pas. Pour faire attention, pourquoi tu ne défends pas? Je peux défendre un homme de Dieu. C'est-à-dire, je le défends, je prie pour lui. Pas parce que je dénie un homme de Dieu, je prie pour un homme de Dieu. Qui peut même commettre l'erreur. Mais face à une parole de Dieu, je présente ce que la Bible nous dit. Parce que n'oubliez pas que quand Dieu dit quelque chose, il le réalise. Il le réalise. J'ai dit à une fille qui était venue au centre de prière, comme c'est une actualité, j'ai dit à la fille, on m'a envoyé la photo d'une fille, de fille sur mon WhatsApp. J'ai regardé trois. En tant que prophète de l'Éternel, qui travaille dans le domaine de la destruction des œuvres, de la sorcellerie, j'ai dit, tel est sorcier, tel est sorcier. On dit aux filles, elle dit, ah, sorcier. Vous savez la suite, les gens sont toujours prêts à dire, tu es faux prophète. Non, on a habitué à ça. C'est les choses même qui ne font rien. Ce n'est pas ton faux prophète qui va me faire quelque chose. Ce n'est pas tes injures qui vont me faire quelque chose. C'est le jugement de Dieu là qui est plus important. C'est ça qui est plus important. C'est pas que nous, là, six mois après, la fille oblige sa tante en question venir au centre. Si vous voulez, c'est la dernière vidéo, allez regarder. Les derniers vidéos qui sont là. Et je demande à la fille, tu me reconnais, lui. Je t'ai dit la dernière fois de deux sorcières. Elle me dit, qu'est-ce que tu as dit? Que tu es faux prophète. Je dis, mais tu crois, je. Non, je l'ai confessé. Tu ne confesses pas. Hein? Il faut partir. Tu ne dois pas confesser. Pardon. Elle dit, mais quel pardon? Vous comprenez? Quel pardon? Vous savez, la Bible dit quoi? La prophétie, même si elle tarde, même, elle peut tarder, même si elle tarde, elle s'accomplira. C'est. Il dit, attends là. Ce qui est intéressant, il dit, ah, attends là. Même si elle tarde, il faut l'attendre. Il ne faut pas dire non. Non, il ne faut pas oublier qu'il faut l'attendre. On attend la prophétie. Certainement, ça vient après, il dit, si elle tarde, ah, dans la, elle s'accomplira certainement. C'est ça? Vous comprenez? Donc quand Dieu parle, il réalise. Donc je demande à la fille, donc j'étais sorcier, oui, mais on m'a empêché de parler. Vous voyez? C'est vous qui pensez que nous on joue. Moi je ne suis pas levé matin pour servir Dieu. Non. Je crois à mon ministère. Point barre. C'est parce que je suis apparu ici. Pourquoi vous voyez penser que le prophète Casu est gagné? Vous me connaissez dans ce village? Je sais pourquoi je suis ici, parce que Dieu m'a mandaté de venir faire quelque chose. Et je n'ai pour la vie, m'intéresse pas. Ton avis ne m'intéresse pas. Que je perds le prix ou pas, ça m'est risque de périr. C'est moi qui gère. C'est ça comment je me parle. Voilà. Amen. Amen. Donc un prophète, c'est... Et elle a commencé à parler. Après, je l'ai regardé. J'ai dit, c'est toujours être ta propre vie. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Ne jouez pas avec l'appel de l'homme de Dieu. Est-ce qu'on a bien saisi? Donc je reviens sur l'histoire des mois. Nous sommes en septembre. Vous savez, il y a toujours une transition, toute chose. Un président de la République prend le pouvoir, il y a toute la transition. C'est-à-dire, c'est, comment on appelle ça? Ceux qui font la passation des services, c'est ça? Voilà, la passation des services, c'est comme ça toujours. Donc quand le mois d'août passe, et le 30e au premier cette nuit-là, c'est la transition de la nuit au premier. Vous voyez? Donc le chrétien, ce jour-là, cette nuit-là, j'ai déjà balancé à partir de 2h du matin, ceux qui sont sur mon WhatsApp, j'ai déjà parlé pour dire aux gens,
Et c'est dans moi les 7 ans. J'ai dit à Dieu, à tous ceux qui ont déjà mis. Et c'est dans moi les 7 ans. Parce qu'il faut parler au moi. Or, la parole est une semence. La Bible dit, parce que le moi dans lequel nous rentrons, ce moi-là, c'est le 7e mois selon les chiffres sataniques. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est pour ça que le diable, il a fait 6, 6, 6. Leur chiffre, c'est 666. Je reviendrai là-dessus. Parce qu'il faut que je revienne vous enseigner les signes des derniers temps. Non seulement c'est les signes des derniers temps, mais il faut que j'enseigne si le satanisme, comment le diable travaille. Il faut que j'enseigne comment le diable travaille. Vous voyez le diable partout. Hein? Vous accusez les gens qui ne sont même pas sataniques. Or, les satans, ils sont prêts de vous en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Ça, vous ne connaissez pas. Je suis en train de vous enseigner. Or, le chiffre 7, vous savez que le chiffre 7, c'est le chiffre de la possession. C'est maintenant les choses vont rentrer les résolutions. Je ne suis pas étonné quand le grand chanteur est tombé aux États-Unis en 7 ans. Je ne suis pas étonné quand la Côte d'Ivoire, la première guerre en Côte d'Ivoire, ça a été le 19 septembre. C'est pour ça que vous allez voir les cascades à partir de 7 ans, octobre, novembre et décembre. C'est pour ça que maintenant, doublez l'effort. Amen. Amen. Vous avez compris, nous sommes là pour vous, vous n'avez pas oublié. Vous comprenez? Cette période, par moment, programmez les programmes, faites les programmes de nuit. Dis à monsieur, pardon. Toujours ton ensemble. Hein? Jeudi, vendredi, mercredi, vendredi, là, pardon. Vous laissez ça à Dieu. Tu me touches tout. Amen. Mais jeudi, vendredi, laissez ça pour le Seigneur. Tu me touches de la paix ou bien? Amen. Mercredi et vendredi, laissons au Seigneur. C'est le jour le plus stratégique dans le combat spirituel. Priez de nuit. Cette époque, c'est la nuit que les forces des ténèbres et la paix travaillent beaucoup. Si on met des pans, toutes les guerres commencent la nuit. Il vient du nord. Alors quand vous voulez prier pour le combat spirituel, cherchez la position du Nord. Cherchez la position du Nord. C'est stratégie en matière de combat spirituel. Amen. Regardez tous les combats en Israël. L'ennemi venait toujours du Nord. Il faut que je vous enseigne beaucoup de choses. Nous sommes en allemand les plus importants. Et donc vous allez voir, je ne suis pas surpris. On dit ce matin, aujourd'hui, un cas vient de tomber sur l'autoroute du Nord, au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est des choses qui ne nous étonnent pas. Parce qu'on connaît. Vous allez voir les morts en cascade. Notre prière, c'est que chacun d'entre nous... Vous savez, le chrétien, il est l'homme le plus puissant qui fait travailler le royaume du diable. Si tu crois ça, dis amen. Vous pouvez y aller sans danger. Amen. Hein? Amen. Je dis, toi, chrétien, tu fais peur à Satan. Amen. 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 Tu crois à ton amen? Amen. Tu crois l'amen est fou. Amen. Amen. Ce qui est tout est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Je vous donne le pouvoir au nom de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Vous pensez que c'est des paroles en l'air? Fais! Tu penses que c'est des paroles en l'air? Jésus va s'élever pour nous séduire. Merci. Jésus va s'élever pour nous séduire avec des paroles. Parce qu'il a envie de t'avoir avec lui. Donc il te séduit. On dit qu'il paye sur sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Ne jouez pas à ça. J'attends des noms, les francs-maçons sont en train de vouloir faire sacrifice. Vrai.
est sous le contrôle de Satan. La plupart de nos chefs d'État sont francs-maçons. Ils sont pasteurs. Ils sont imams. Non. Ils sont francs-maçons. Vous voyez dans la politique, c'est la raison. Ils sont dans la franc-maçonnerie. La plupart des gens dans les grandes banques, c'est la franc-maçonnerie. Le pilote même qui dépend la Air France là, il est franc-maçon. Ah, il est non, à cause de toi, l'avion ne tombera pas. Tiens, amen. C'est ça. À cause de toi, l'avion ne tombera pas. À cause de toi. Nous sommes la plus belle de l'air de l'éternel. Celui qui aura fait à nous, il touche Dieu. Celui qui aura fait à toi, il touche Dieu. Le sorcier il vient à peine ton âme et puis il va faire barbecue. Ah. Il a le temps de faire au berger, il a le temps de te couper tomate, oignon frais sur toi. Et puis il mange. Pour les voir ta vie. Amen. Pour les voir ta vie. Une âme m'a invité dans un village qu'on appelle Grand. La vidéo est là. Heureusement. Moi je mets l'intégralité des vidéos, mais je dis non, c'est des montagnes. Moi j'allais prendre serpent, vous mettez dans des métiers. Je n'ai rien à faire. Où je suis? Et dans celui-là, ils adorent le dragon. C'est pas quelque chose de caché. J'ai d'abord prophétisé, parlé avec eux. Ah, ils m'ont dit, si tu peux, parce qu'en réalité, le serpent est quoi? Le saint. Vous me regardez. Serpent ne voit pas qui ça. Il ne voit pas Pierre, il ne voit pas Dieu. Tu as vu ça? Donc, vous avez la guérison, c'est sang de qui boit? Comment quelqu'un est une bête? Elle se nourrit du sang. D'abord, tes frères, ça fait peur. D'abord, il dit non, il y a un prêtre qui est venu ici, il a fait la prière dans l'église. Quand il est sorti de l'église, il est tombé devant l'église. Voici sa tombe. C'est qu'il vous dit, je vais aller vérifier avant. Tu vas regarder. Si tu peux venir faire, faut faire. D'ailleurs, on me dit ça pour dire, si tu peux, viens. Mais nous, on n'est pas dedans, on a déjà vérifié. Alors, qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit que Jésus dit dans Luc 10, verset 19, je vous donne le pouvoir à mon nom. J'ai le pouvoir, c'est l'autorité. Vous savez quand vous dites, chien, tu es chef. Si tu jouais ça, le petit est bien déclassé. Ne jouez pas avec mon poste de chien. Amen. Même si on travaille, ça c'est mon fils. Hein. Il a une entreprise en Côte d'Ivoire, ceux qui font forage, tout ça. C'est lui. Si vous voulez faire le forage dans votre village, voyez ce monsieur. Amen. C'est pas un petit monsieur, vous le voyez comme ça. C'est pas un petit monsieur. Je t'ai parlé de lui hier, non? Oui. Voilà, c'est lui. Il va être le premier petit peu de lui. Il vient tout le temps ici, sa famille ici, tout ça. C'est pas un petit monsieur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, il est dans le corps et tout ça. C'est un monsieur très loyal, très engagé dans nos activités. Il nous suit, heureusement, on a beaucoup de personnes qui sont appelées dans l'ordre loyal, qui prient pour nous, qui nous soutiennent dans la prière. Amen. 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 Il y a un même monsieur politique qui veut m'aider faire le culte avec nous. Je lui ai dit, aïe, ah, tiens. Pardon, si on te voit ici, comment on dit? Le prophète, mais j'ai étudié ton dossier. Très bientôt, les gens viendront. Parce qu'ils savent. Alléluia. Alors, du coup, on me dit, je dis, Dieu dit, ah, je vous donne le pouvoir. Vous savez, quand vous avez le pouvoir, ne jouez pas ça. Ne jouez pas ça. On finit la réunion avec le village, tout ça. Je rentre chez moi.
j'attendais pas qu'il m'en soit dit. Hein, c'était une heure, même une heure du matin. J'attends pour que vous tape. Je n'ai rien dit. Je me suis levé. Là, je l'ai passé. C'est ma fenêtre. Ça a tapé ma fenêtre. Ça a tapé le mur. Je me suis levé. Il dit, ah, il me dit, je me réveille. Ok, on va se lever. Ben, c'est ça, c'est quand même pour dire que le Saint-Esprit est doux. Tu veux me réveiller la brutalité. Et c'est l'esprit, Satané. Et c'est parti. Et maintenant, ça tape la porte. Boum, je sors le poignet de la porte là-bas. Pour quelqu'un qui va appeler la police. Moi, il me dit ça, moi, j'ai compris. Je suis sorti, je suis dit au salon. J'ai dit, si tu es garçon, je ne sors pas, j'allais chez moi. Il faut rentrer. Je suis là, je regarde. La Bible dit, la vie et la mort sont au bout de nos lèvres. Amen. Si tu veux vivre, je te donne la vie. Amen. Si tu veux la mort, je vais te donner ça. Déjà chez moi, en train de dormir paisiblement, j'ai une rencontre à faire le lendemain. Et toi, tu viens me distraire. Bien. Beaucoup, ça fait le faut laisser après tout. Poignée, maintenant ta l'autorisation rentre. La chose est calmée. J'ai dit, rentre, je t'attends. Pas de bruit. Je suis allé dormir, j'ai dit merci Seigneur. Le lendemain, je suis allé détruire, tuer le serpent de corps. C'est fini. Amen. Il veut m'utiliser. L'autorité sur lui. Amen. Sa place n'est pas chez vous. Sa place n'est pas dans vos activités. Amen. Vous avez l'autorité. La Bible dit, ce qui est en est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. 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 Tout à l'heure, j'ai demandé à ceux qui ont dit la Bible. Il dit, moi, je suis fort. Mais en moi, on s'est dit, vous savez, regardez YouTube. YouTube. Ça, on connaît. On peut dormir sur ça. On n'avait pas sommeil. Or, la parole de Dieu est esprit et vie. Si vous avez la parole de Dieu en vous, vous avez la victoire. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de vous enseigner? Non. Adorer, parler, grâce ne peut pas, n'est pas un nom qui peut te sauver de du mal. C'est un moyen que Dieu utilise, un canal du moins, pour t'éclairer. Sinon, c'est Jésus qui est Seigneur. Amen. Amen. Donc on est dans le septième mois. C'est pour ça que ne jouez pas. La plupart du temps vous jouez. Et le diable, il est présenté comme un usurpateur. Le diable c'est un voleur. Il vient quand vous voler votre bénédiction si vous dormez. Spirituellement parlant, si ne vous réveillez pas, si vous n'êtes pas éveillé. C'est pour ça que la Bible dit, veillez et priez. Restez à l'éveil. Ça veut dire quoi? Vis-à-vis de la parole de Dieu. N'ayez pas peur. On nous parle des francs-maçons, ils sont ici. Mais francs-maçons, ils... comment ça vous étonne? Ils sont partout. Moi, c'est maintenant penser qu'ils sont là. Nos grands dirigeants sont francs-maçons. Dites aux gens qui est Jésus. Moi, je préfère. Et préparer l'église, le corps de Christ. Déjà, psychologiquement, dis aux gens, face aux menaces des gens qui sont dans l'occultisme, ils ne peuvent rien devant la puissance de Dieu. Amen. J'ai l'impression que les gens pensent que, quand vous parlez trop de quelque chose, vous faites la publicité de cette chose. Les gens, ils ont regardé, qu'est-ce que la formation est? C'est pas comme on voulait, moi, ça ne m'intéresse pas. Ton voisin, c'est un message de formation. On a des voisins de formation. On a des patrons francs-maçons, c'est toi ta vie qui est une franc-maçon. La Bible dit, Saül avait peur de la présence de David parce que l'Éternel l'avait abandonné. Et l'Éternel était avec David. Si Dieu est avec toi, le royaume de la sorcellerie, l'idée contre toi ne pourra rien. Il était vraiment la guerre, mais il était venu
c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Amen. Qui donne la victoire, c'est l'Éternel qui donne la victoire. L'Éternel qui donne la victoire. Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? Tout événement qui arrive dans votre vie est un miracle déguisé. Il y a quelque chose, j'aime de ça. Tu ne t'élèves pas, tu ne peux pas t'accaparer de ta victoire. Dis-donc, l'ennemi se quitte normalement de cette victoire. Parce qu'il t'envie. Le diable nous envie. Est-ce que vous savez ça un peu? Que le diable, parce que lui, son sort, il est essayé. C'est pour l'enfer, c'est fini. J'ai pas de réveil ça tout à l'heure. Amen. Amen. Est-ce qu'on avait saisi? Amen. Les gens effrayent les gens. Ils sont en train d'effrayer les gens. Ah, les gens, machin, ils sont ici, ils sont là. Et c'est quoi ça? C'est maintenant qu'on est décoré. Il y a longtemps, ils sont là. C'est ta vie qui doit impacter les gens. Tu es changé. Tu m'en fous, tu as changé ton camp. Mais on va dormir. C'est toi qui ne vas pas. C'est toi qui ne seras pas à l'aise. Amen. Parce que tu ne vas pas prendre ton avion sorti. Amen. Moi, j'ai dormi. Je me touche. Je m'endors en paix. Car tu me donnes de la sécurité dans ma douleur. Le son 4, le verset 9. Je me couche et je m'endors en paix. Tu reviens tout de suite. Amen. Pasteur Anani, ça va? Voici le seul pasteur chinois que je connais. Ah, tout le monde est chinois. Il y a un chinois ministre. Tout le monde, c'est quoi ça? Il y a un chinois. Il y a un chinois vendeur de pain. Il y a un chinois dans. Il y a un chinois. Cette histoire est encore, tu vois. Mais je marque mon pays et je m'assois, je réfléchis. Et je dis, regarde, qu'est-ce qui m'arrive dans la Côte d'Ivoire? Allez profaner le tombe. Mais c'est grave. Mais la Bible dit qu'ils ne savent pas, ils ont déterré le corps de Saint-Raphaël pour chercher les tambours sur son corps. Ils l'ont déterré, ils l'ont tiré le séquin. Ils sont allés, ils ont montré, ils ont filmé. Quand vous voyez une jeunesse en train de faire ça, ça veut dire que le pays est en danger. Si vous voyez une jeunesse en train de faire ça, qui n'ont pas peur, et après avoir fait ça, ils sont rentrés à Adamé pour casser les feux, voiture brûlée. Priez pour la Côte d'Ivoire. Prions pour moi. Prions pour la Côte d'Ivoire. Mon pays est en danger. Amen. Mon pays est en danger. Amen. On dit les microbes enfants en conflit avec les personnes de peuple maîtriser ce phénomène. Donc les gens n'ont plus peur. Et là où les gens n'ont plus peur, même n'ont plus la crainte de Dieu, il y a un danger. Vous pensez que ça va prendre, mais ne reconnaît pas le corps de son fils. Vous pensez que c'est coupé? Vous savez, ça va être là. Il n'a plus de vie en lui. Et combien de fois on l'a lui, il noisit. Dis quand les gens disent non, on touche à son bras équité, on touche, on casse le corps. Parce qu'il est resté longtemps dans le froid. Donc on casse le corps pour l'habiller. On casse les vies. C'est ce que vous ne savez pas. Il y a des organes comme le foie dans l'intérieur. On ouvre même pour la mettre ces organes. Vous n'êtes pas qui décompose, qui sont traites le corps. Donc s'il était noir, ben, naturellement, il va encore noisir. Bon, sa propre femme. Mais pourquoi vous créez la polémique? Le phénomène des réseaux sociaux, c'est encore dangereux. C'est un sens positif, mais aussi négatif dans ce sens. Et ça va créer tout un truc diffamé. Chez nous, en Afrique, on ne joue pas avec un corps. Et je vois un enfant. Petit de même, on t'explique. Je l'ai vu. Ma planète, c'est caoutchouc. Petit, c'est pas caoutchouc. Hein. Il est devenu comme caoutchouc. Il est devenu. Parce qu'il ne peut pas être le même truc. C'est un corps, il n'a plus de vie. Quand tu n'as plus de vie en toi, ce corps est momie, c'est fini. Est-ce qu'on va bien saisir? Un enfant de l'air. Chez nous, un enfant n'est pas là. Moi, j'ai du mal même à regarder le visage parce que j'ai peur. Mais j'ai l'image.
Parce que j'ai perdu mon père et ma mère. Et donc, quand les gens sont en deuil, je sais ce qu'ils ressentent. Donc, je ne vis pas trop longtemps dans les funérailles. Avec moi, on pleure, je ne reste pas trop longtemps. J'ai un jeune amour, j'aime les mots de joie. Et puis, un enfant, il va au cimetière, il va vérifier quoi. Les gens se déplacent partout, vous me dites, comment quelle image prendre la Côte d'Ivoire? Bref, beaucoup disent, faites attention. Amen. Alléluia. Le royaume est Satan. Satan est en train d'agir d'une manière puissante. Nous qui sommes chrétiens, puissons dans la parole de Dieu. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Pour moi, ça ne m'effraie pas. Je ne suis pas effrayé de ce qui est en train d'arriver. Non, pour moi, c'est pas. Je ne suis pas étonné parce que c'est biblique. Vous allez me dire, oui, c'est biblique. Vous savez, les gens aiment toujours dire, au dernier temps, il y aura les pauvres, les pauvres mecs. Ça, c'est le verset que tous les gens qui aiment dénigrer là récitent. Ceux qui aiment nous attaquer, insulter, là, malheureusement, c'est le verset, le seul verset que les gens arrivent à maîtriser. Prenons la parole de Dieu. Allons-y dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1. À 5. Pasteur, mon ami, s'il te plaît. Quand il veut les blasphémer, hein, la Bible dit qu'au dernier temps, au dernier. Ah, ok. Mais quand il y a faux, là, c'est qu'il y a vrai. Quelqu'un ne connaît pas le verset biblique. Toi, tu as venu juger un homme de Dieu. Sur la base de quoi? De Timothée. De Timothée, le chapitre 3. Oui. Le verset 1 à 5. Écoutez très bien la parole. 1 à 5, d'accord. Sachant que dans les derniers jours. Il dit sachant que dans. Comment on dit dans les derniers temps. Ok, ma version c'est dans les derniers temps. Ah, moi c'est la version, oui c'est bon. Bon, je peux changer de version. Ok, allons-y, dans les derniers jours, mais dans les derniers temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. On reprend, il y aura des temps difficiles. Mais c'est ce que nous connaissons économiquement. Difficile. La France d'avant, l'Europe d'avant, ce n'est pas l'Europe d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? La Bible avait déjà prédit ça. Quelle est la situation? Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit dans les derniers temps, les temps seront. Alors, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. C'est des prophéties. Les temps seront difficiles. Hein? Le temps est difficile. Mais quand quelqu'un dit ça, pour moi, il est en train de parler de la prophétie. Et c'est l'apôtre Paul qui parlait à Timothée. Qui est dans les derniers temps. C'est pour vous dire quels sont les signes qui annoncent le retour de Jésus. J'ai parlé du retour de Jésus. Quels sont les signes qui annoncent le retour du Christ? Amen. Les grands signes sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Amen. Les temps seront difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les gens seront égoïstes. Qu'est-ce qu'on appelle l'égoïsme? C'est lui qui pense à lui seul. Vous n'êtes pas remarqué? Les gens sont égoïstes. Les gens seront. Moi, je pense à. Le projet même d'aider les gens, ça ne va même pas l'intéresser. Ils seront égoïstes. Moi, je pense à. Ils ne vont même pas penser à l'œuvre de Dieu. Quand ils travaillent l'œuvre de Dieu, ils mettent ça en second plan. Ah, le Seigneur même sait que c'est difficile. Ah, le Seigneur même voit où il y a tous les vagues. Ah. Le Seigneur même sait que ils seront égoïstes. On y va. Amis de l'argent. Amis d'argent. Ça dit pour l'argent, ils peuvent même aller tuer quelqu'un. Nous voyons ça aujourd'hui. À cause de l'argent, les bruteurs. Hein, ce phénomène est plein chez moi en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si ça tombe dans d'autres pays. Moi, je parle de ma nation. Amis d'argent, pour avoir l'argent, ils vont tuer des gens. Non, je n'ai pas dit que l'argent n'est pas bon. Je vais dire à le prophète à président, je vais jeter mes zéros, on va essayer de garder. Parce que les gens comprennent de travers souvent les messages qu'on prêche. Ah, le prophète a fait un message, il dit que l'argent, c'est pas bon d'aimer. Non. Aimer l'argent plus que l'or, plus que Dieu, c'est ce qui n'est pas bon.
sinon l'argent. Souvent la Bible dit, l'argent répond à tout. Amen. Amen. Si tu as l'argent, ça peut être pour lui. Mais aller tuer un homme, un être humain, pour l'argent, frère, c'est dangereux. Ou bien d'autres personnes vont leur organe, c'est-à-dire ils vont une partie de leur corps, ou bien ils vont leur vie. Vous savez, les gens qui meurent tôt, souvent les personnes qui sacrifient leurs âmes au diable. Vous ne savez pas quelles sont les pactes que les gens tissent. À cause d'avoir l'argent, ils vont tisser des pactes avec le diable. Tu tisses le pacte, il va payer sa papa vie. Tu avais 60 ans de vie, tu t'es, le diable récupère la moitié, 30 ans. C'est comme ça. Tu vas manger l'argent des Belzébuth. Tu vas rendre témoignage. Ta fin sera catastrophique. Vous comprenez? Amen. Pour ça que vous qui partez chez les marabouts, quand vous demandez de faire les sacrifices de poulet, les sacrifices de bœuf, ce sont des alliances informelles contre votre volonté. Que vous tissiez le royaume de la de ténèbres. Brisez ce lien. Ça peut vous poursuivre dans votre ami et suivre votre progéniture. Le diable n'est pas malade. Quand vous versez le sang d'un bouc, c'est une alliance qui se tisse entre le ciel et la terre et qui peut agir de génération en génération sur vos descendants. Amen. Ou de l'argent. Moi, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que ça fait quoi? Si j'ai vendu ma vie pour avoir de l'argent. C'est vrai. Dans un premier temps, ils vont te donner soi-disant l'argent. Mais ça va disparaître. Ce qui vient du diable est éphémère. C'est ce que la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui m'est enrichie et ne fait survivre d'aucun chagrin. C'est sa bénédiction qui enrichit. Il y a toujours un prix à payer pour Dieu. C'est ça que les gens c'est lourd, c'est difficile. Mais tout ce qui est bon, c'est difficile à acquérir. Amen. Si tu veux avoir une maison solide, il faut investir, il faut faire sous bâtiment, les choses difficiles. C'est ce qui vient investir dedans pour avoir une maison solide. Si tu veux une maison, viens, il faut prendre les trucs, je ne dis pas les noms, il faut aller payer les marchandises pour venir mettre la maison. Ça va tomber dans 3 mois. Et les gens ils disent, si c'est une culture de 1 million, il y en a. Mais culture de 1 million. Tu vas rendre témoignage. Les deux mois que je suis bleu, ça se va. Très. Payer le prix. De la même manière que Christ a payé le prix pour tout. Pour avoir si Jésus-Christ est obligé de payer le prix, la croix, il est Dieu, lui. Mais il paye le prix parce qu'il y a toujours un prix à payer. Tu t'investis, tu t'approches à Dieu, tu t'investis en Dieu. Dieu va un jour te récompenser. Amen. Il te récompensera un jour. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Et puis il accepte. Au départ, on fait croire que ça va aller, je n'ai pas dormi, si vous venez ici. Vous partez voir un marabout, vous mettez un t-shirt, il a mal, pour demander un magie. Pourquoi il ne discute pas ça à chaque membre de sa famille? Ou même là, si vous êtes déjà. Et puis, il vient faire publicité sur Facebook. Moi, est-ce que ça en fait publicité? Quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas ça en danger. Vous n'avez pas la raison, ça quitte vous. Pourquoi c'est si facile comme ça? On ne vous dit pas les choses qu'il faut faire et les conséquences après. C'est après vous rendez compte que je me suis mis dans le problème, hein. Il n'y a plus ma chérie, mon frère. Il va manger ton cerveau. Il faut faire très attention. Ce qui le diable nous voit comme ça, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Amen. Ah, mon Jésus, 100 000 francs par jour. 100 000 francs, c'est l'argent. Même 1 million, par rapport à ton âme, tu meurs demain, ton âme va en faire pour l'éternité. Il faut te ressaisir. Non, après de Dieu, là, ça a Dieu. J'ai compris, elle a dit non. Dieu, là, pour qu'on est en train de Dieu, Dieu dit de porter la croix. Jésus dit de porter la croix. Hein? Il faut porter la croix. Jésus n'a pas dit que si tu viens, je vis. Hein? Il dit de porter la croix. Celui qui veut me suivre,
qui se chante sa voix. Désolé, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Amen. Je m'en ai saisi. Vous avez des dieux là, depuis là. Donc terminé avec des dieux, avec de l'argent. D'abord, se donne à Christ à cause de salut de notre âme. Celui qui vous dit le contraire de ça, dégagez. Quittez-le. D'abord, c'est à cause du salut de notre âme. Et les choses viennent après. Cherchez le royaume des cieux. Et les choses viendront après. Le royaume des cieux sur cette terre. Il ne sait même pas combien de temps il vivra sur cette terre. C'est une question de grâce ou c'est le même matin. On s'élève sur une grâce. Les arabes disent Inch'Allah. Et c'est le même matin, Inch'Allah. C'est une grâce à Dieu. Les arabes, ceux-là, je les salue, les passages. Ils sont censés de leur homme là, qui fait peur. Demain, on se voit l'homme Inch'Allah. Ça veut dire qu'il y a la grâce de Dieu. Après, bon, le chrétien n'a pas tout ce langage. Oui, on se voit demain. Il faut saluer un musulman. On se voit demain, Inch'Allah. Tout à l'heure, on se voit là, Inch'Allah. Ah, c'est. On se voit tout à l'heure, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah. Par la grâce de Dieu. Si Dieu le veut, ça, c'est un bon langage. C'est un très bon langage. Si Dieu le veut. Est-ce qu'on a bien saisi? Parce qu'il arrive à l'autre, c'est que Dieu aura décidé là-haut. C'est ce que Dieu décide en haut que tout le monde a su se faire. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Vous m'avez saisi? Amen. Ça va? Amen. Allons-y, je suis la lecture. Fanfaron, hautain, blasphémateur. Fanfaron, hautain. Vous allez voir que les gens, ils aiment parler d'eux. C'est ce que les gens ils parlent. Blasphémateur. Les gens aiment blasphémer. Insulter Dieu. Insulter les hommes de Dieu. Ils n'auront plus peur. Ils seront blasphémateurs. Vous qui dites qu'au dernier temps, il y aura les faux prophètes. La Bible dit, il y aura toi aussi blasphémateur. Il y aura toi aussi qui blasphème. Amen. Qui seront blasphémateurs. Amen. Toi, tu es qui pour juger l'homme de Dieu? Amen. Tu es qui? Tu es qui? Il dit au dernier temps, il y aura les blasphémateurs. Blasphème, c'est quoi? Qui me donne la définition? Non. Hein? Qui parle contre Dieu. Et tout ce qui est Dieu. Ah, blasphémateur. Au dernier temps, il y aura des blasphèmes. C'est ce que nous suivons aujourd'hui. Moi, je suis pas étonné. Quelqu'un s'élève dessus. Quelqu'un vient s'élève dessus. Chacun peut parler. Ils sont blasphémateurs. C'est le signe. C'est le seul verset que vous avez donné. Au dernier temps, il y aura des faux prophètes. Ça, c'est le seul verset. Vous ne parlez pas des temps difficiles. Vous ne parlez pas aussi de. Il y aura des blasphémateurs. Il y aura des blasphémateurs, les gens qui vont blasphémer, qui vont insulter les religions, qui vont mal parler l'église, qui vont mal parler des hommes de Dieu, qui vont insulter, vous dites Dieu n'existe pas, ils vont attaquer. Tout récemment, j'ai dit, j'assiste à beaucoup de choses. Mais moi, ça ne me dit rien. Parce que la Bible dit, au dernier temps, il y aura des blasphémateurs. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs. Sont rebelles à l'heure, rebelles à l'heure. Ici là, l'enfant est plus fort que son papa. Mais chez nous, Zambé ne peut pas parler. Il va en témoignage. Zambé, il n'a pas de bouche à dire devant son papa. Ici, l'enfant passe avant tout. C'est vous qui voyez. La Bible dit d'éduquer l'enfant. Mais quand on dit rebelle, il y a la rébellion spirituelle. Beaucoup d'enfants spirituels se rebellent contre leurs parents spirituels. Amen. Amen. Un père spirituel qui te rebelle contre lui. J'ai beau dire. Amen. Est-ce que vous ne savez pas? Amen. Pensez-vous jouer avec la religion? C'est comme vous jouez. Dieu, c'est l'esprit. Quand tu joues l'esprit, ça te blesse. Tu joues pas bien, tu attrapes pas ça, mais ça te blesse. La parole de l'épée à tout tranchant. Amen. Vous connaissez la peine d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu que tu reconnais, qui tu reconnais un père, tu le trahis, ou bien tu montes des choses contre lui. Tu payeras ça.
Si c'est pas toi, tes enfants payeront. Amen. Il y a des choses, les symboles à l'église, à lesquelles il ne faut jamais jouer. Amen. Pour ça, tout ce qui touche les fils spirituels, ne met pas ta bouche dedans. Amen. Pourquoi mettre ta bouche? Aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde a quelque chose à dire. Les enfants seront rêvés dans leur âme. C'est ce qu'on a dit dans les églises. Vous ne savez pas combien un homme de Dieu prépare un message pour venir vous donner. Vous ne savez pas combien un homme de Dieu il prie pour venir vous donner le message. Et vous vous rébellez contre lui. Mais c'est biblique. Mais toute rébellion, c'est mat. Tu vas vous battre. Tous ceux qui sont rébellés comme Moïse, tu les as battus. Ah, tu ne joues pas ça. Dieu a convoqué Marie et Moïse, devant la tombe, le temps d'assignation, qui est symbole de l'église, pour dire, Moïse, là, quand je l'appelle, on était là. Vous étiez là, pourquoi c'est vous qui le jugez? Il a frappé Marie de la lèpre. C'est pour ça que par moment, quand vous rébellez contre votre père spirituel, Dieu est obligé de vous frapper d'une malédiction quelconque. C'est pour ça que par moment, il y a des gens pour lesquels vous priez, il n'y a pas de miracle. Ah, il a prié pour moi, il n'a rien vu. Parce que tu es un petit miracle. Ta bouche là, tu mets ça toujours avant de l'insulter. Quel miracle tu vas avoir? Amen. Il est devenu un sujet à la maison. Va lui taper. Vous laissez l'autre déjeuner. On a vu dans Noé, dans les moments difficiles, son fils qui est venu l'exposer. Il a été frappé de malédiction. Amen. Il y a des symboles avec lesquels il ne faut jamais s'amuser. Parce qu'on m'a bien saisi. Amen. C'est pour ça que moi, depuis que je ne vois rien, tu ne vas rien voir. La nuée va partir, dégager. Amen. Dis-nous. Ça dépend de comment tu fais. Avec Dieu. Ça dépend de ta réaction avec Dieu. Depuis le prix de barrière, toi-même va devenir anti-miracle. Je vais vous enseigner ici l'anti-miracle. Je vais vous enseigner ici. Quand Jésus allait prêcher, les gens ne connaissaient pas sa parole, les applaudissaient. Et dans cette ville, Jésus voulait opérer le miracle. Il est sorti de cette ville. Pourquoi? Parce que la ville est devenue anti-miracle. Les gens ne peuvent plus avoir le miracle parce qu'ils se rébellent contre les envoyés de Dieu. Ils se rébellent contre la parole de Dieu. Et quand tu te rébelles contre la parole de Dieu, frère, dans le moment le plus difficile de ta vie, toi tu as parlé, mais Dieu en tient compte. Amen. Quand Marie et Aaron parlaient contre Moïse, Dieu était là, il enregistrait. Moïse n'avait pas entendu, mais Dieu a entendu ça. Ne jouez pas avec les symboles. Il y a des chants avec lesquels ne jouez pas. Mais ça se sort. Il ne faut pas jouer, ça, c'est trop sacré. Amen. Pour mieux faire vos prières, c'est la meilleure chose. On y va. Prouvez à leurs parents ingrats, irreligieux. On dit ingrat. Vous savez ce qu'on appelle ingrat? Ingrat, c'est quoi? Hein? Tu as fait du bien à quelqu'un. Son seul merci, c'est de te faire du mal. Oh là là, merci, ça. Oh là là. Quand vous voyez, lisez la Bible, on n'a pas entendu parler de faux prophètes. Mais quand il y a un faux, il y a un vrai. Mais la Bible dit dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Ben oui. Amen. Combien sont ceux qui ont bénéficié de mes prières? Mais en retour, la méchanceté qu'il a reçue d'eux, Dieu se sait. Amen. Quels sont ceux qui ont bénéficié de mon aide? Mais en retour, des méchancetés que j'ai reçues de leur part. Dieu se sait. Après que l'homme de réfléchir et dire, ah bon, c'est comme ça l'homme aime. Je dis oui, c'est comme ça l'homme aime. Amen. Heureusement que tu viens de comprendre. Parce qu'il y a des expériences que Dieu te fait vivre pour t'ouvrir les yeux. Amen. Ils ne sont pas forcément comme toi. On a l'impression que les gens sont comme nous. Amen. Donc on est bien. Il y a des gens qui viennent dans ta vie en mission. Amen. Ils te détruisent. Amen. Ils ouvrent ton cœur, tu es content. Or, ils veulent te détruire. Amen. Ce sera tous ceux qui sont espions dans votre vie à ce âge, ceux qui sont les FBI, le feu sur eux. Amen. 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 Je voulais juste savoir. Ça te fait quoi ce que tu fais là? Ça te
fait avancer comment? Ça t'a pas de quoi? C'est quoi? C'est qu'il y a des questions qui sont à la con que souvent les gens posent, mais c'est pas à la con, hein? Détecter le FBI dedans. Moi, depuis un moment, j'ai fait attention à tout. Oh, c'est des choses que je ne faisais pas avant. Oui. Frère, Satan l'appelait Lucifer, qui veut dire ange de lumière. Il est dit ange des ténèbres. Lucifer, ange de lumière, il est devenu Satan. Il est devenu Satan. Ah, il ne fait pas confiance. Mais il ne fait pas confiance comment? Déjà, mais il dit bonjour, il ne fait pas confiance. Il ne fait pas confiance. Mais à 100%, c'est toi qui envoies ça. Pourquoi c'est ma vie qui l'a demandé? Pourquoi toujours les questions? Attention, les gens sont ingrats. Il y a des gens qui vous ont été aimés. À votre grand surprise, c'est eux qui vous détruisent. C'est eux qui sont la base de votre destruction. Mais la Bible en parle que dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Amen. Ils seront ingrats. Amen. Quand ils ont besoin de toi, ils sont comme des ingrats. Ouh, papa. Tu vois, il y a un sorcier. Il y a un sorcier. Tu as commis un bouquet. Ou bien tu fais le vaudou. C'est-à-dire, il veut lui-même donner une apparence. Mais la Bible en parle. Tati, il y a un sorcier. C'est qu'elle va te montrer. C'est qu'elle va te préparer dans son cœur. Elle peut seulement avoir une petite place. Tu vas rendre témoignage. Amen. Les gens sont comme des chiens. Donc, les gens sont rassasiés. Ils vont aboyer sur toi, tu vas comprendre. Amen. Ils sont ingrats. Aujourd'hui, même, quelle méchanceté qu'on n'a pas vu dans la part des gens à qui tu as rendu service. Tu es content, tu donnes l'argent. Et après la grande surprise, ces mêmes personnes se lient contre toi. Ces mêmes personnes cherchent à te détruire, à te nuire. Et tu es étonné, frère. Moi, quelqu'un qui m'a été rendu service, même encore, même si tu m'as fait du mal, même, ça peut arriver. Mais d'abord, je réfléchis. Parce que j'ai une mémoire. Le mal qu'on fait, nous revient toujours. Le mal revient toujours encore. Le mal nous revient toujours. Le mal. Mais c'est pas vous qui avez dit. Si c'est pas vous, vous allez être vos enfants payés. Tout c'est payé. Un cas. Beaucoup sont un cas. Après qu'on a même peur de leur service aussi. On a peur. Après que quand ils prient d'autres personnes, combien sont ceux qui ne sont pas passés dans les églises, ils n'ont pas vu de miracles. Ça dépend de toi. Ah, il a prié pour moi, ça allait et puis c'est revenu. Mais ça dépend de toi. Jésus n'a pas dit quand vous chassez un démon, il va définitivement. Il dit non. Quand vous chassez un démon, il part, il revient après. Si vous qui s'est parlé, qu'il n'y a pas la présence de Dieu, le démon c'est ça à nouveau. Il part ce démon plus méchant que lui. Et la condition, c'est la condition de faire pire qu'avant. C'est biblique. C'est tout à fait biblique. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Amen. Alors c'est lui. C'est toi qui as fait revenir ça. Moi, j'ai plus la peine de chasser. Gloire à Dieu. Amen. Si ça va revenir, s'installer, toi-même, tu dois entretenir tu dois conserver ta délivrance. Amen. S'il faut que tu m'insultes, ça va arriver. Amen. Fais présentation. Au dernier temps, les gens seront ingrats. Ne soyez pas surpris. C'est la parole de Dieu, ça. On y va? Ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Allons-nous souvent. Ingrat, irreligieux, insensible, déloyaux, insensible. C'est le contraire de sensibilité. Quelqu'un qui est insensible veut dire qu'il n'est pas sensible. Ça veut dire qu'il te voit dans la douleur, ça veut dire qu'il s'en fout. Il y a des gens qui veulent vous voir souffrir, ils sont contents quand vous souffrez. Quand il te va mal, quand il est détruit, et puis tu as mal, lui est content. Les gens seront insensibles.
Les gens seront insensibles. Vous voyez comment les gens se lèvent, allez se soulever, s'inquiètent. Ils n'ont même pas peur de ça. Ouvrir un cadavre, faire sortir un cadavre. Ah! Amen. Insensible. Vous m'avez saisi? Amen. Après que même la souffrance de ton frère, ça ne te dit rien. Tu veux le poignarder. Tu as compris qu'il y a un gamin. Il y a des gens qui se réjouissent quand même. Leurs parents ont des problèmes. Ils sont contents. Et puis lui, il veut que pendant les, qu'est leur souffrant, qui n'a pas venu intervenir. Ah frère, frère, attends tout soi, qui n'est pas comme ça. C'est lui qui a fait. Quand ton frère est dans les difficultés, prie pour lui. C'est comme tu l'avais prêté la prière. Le jour où tu seras dans les difficultés, une autre personne s'élèvera quelque part pour toi. Amen. Amen. Les gens sont devenus insensibles. Ils sont contents quand ils voient les gens dans la souffrance. J'ai été choqué de voir des gens parler contre un orphelinat. Et j'ai dit là, je les regarde. J'ai dit, oh, on est dans les temps les plus dangereux. Les enfants qui viennent de nulle part, d'une souffrance. Nous, on prend la peine de les recueillir dans un orphelinat. Et vous venez rencontrer des saletés sur l'orphelinat. J'ai regardé Dieu. Je dis, ta parole est la vérité. Les gens seront insensibles. Amen. Amen. Vous parlez contre les enfants criminels. Les enfants se retrouvent dans la rue. C'est ce que vous voulez. Amen. Et les enfants se retrouvent dans la rue. Ces enfants n'ont qu'à se retrouver dans la rue. Pourquoi on va les suivre? Ils n'ont qu'à être dans la rue. C'est grave. Amen. Et souvent même, c'est nous-mêmes les Israéliens. Il n'est pas envie de dire ça, mais ma bouche a péché. Nous les Israéliens, comment on aime? Nous sommes comment? Point. Parce que si je continue, j'ai dit de déraper, c'est pas bon. Et nous-mêmes, les Noirs, notre peau là même, souvent même quand on a quelque part, les gens nous regardent, souvent même, ils nous voient un problème. Amen. Amen. Souvent même, tu dis, il y a un café, un verre, il y a un peau, il y a un café, quoi. On n'a pas un café, on n'a pas de tapou. Parce que nous-mêmes, on est problème. On est gâté. On est sensible. C'est vrai que c'est dit chez les blancs. Blanc n'est pas d'appareil, toi, tout ça. Tu vois, il y a les blancs, blancs, d'ailleurs, qui sont fautifs ici. Mais chez nous, la main, ça n'a pas plus dangereux. Amen. C'est pas dangereux. C'est dans le milieu. Vous êtes loin, il y a deux qui vont te détester. Voici. Quand tu vas pouvoir parler de ta bénédiction, ouh, j'ai eu un problème. Amen. C'est pour ça qu'on ne se confie pas à tout le monde. Oui. Ouh, non, faut fermer ta bouche. Laissez la bénédiction faire de lui. Amen. Si tu parles de nous, tu vas plus avancer. Les gens seront insensibles. Les gens ont des problèmes. Les gens sont toujours insensibles aux problèmes des gens. On m'emmène une fillette qu'on enchaînait dans les chaînes. Tout le monde entier a vu cette vidéo. Le père est venu témoigner. Aujourd'hui, le papa, je ne sais plus où se trouve. Et cette fille après deux ans dans les chaînes, vous pouvez me sorceler. Moi-même, je ne suis pas son papa biologique. J'ai eu plus pitié. Je l'ai récupéré. J'ai même donné l'argent à son père. Ce n'est pas des montages. C'est des histoires vraies. Zadie même qu'on est là-bas, il arrive dans les premiers orphelinats, il est juste derrière. Voilà. Je l'ai même récupéré et je l'ai introduit dans l'orphelinat. Aujourd'hui, elle est en cinquième. J'ai payé ses coûts, on la suit. Et les gens se lèvent, parlent mal de l'orphelinat. Ah, donc cette fille-là, dont je suis devenu le parent aujourd'hui, elle n'a qu'à se retourner dans la rue. Parce que c'est quoi ton projet? Le projet même c'est quoi après? Je l'ai pris à cause de... Je l'ai pris. Je l'ai mis soutien de l'État. Frère,
l'État ne soutient pas. J'ai mon agrément, j'ai eu mon agrément. Pour avoir un agrément en Côte d'Ivoire, c'est 3 ans minimum ou 5 ans. Maintenant, j'ai reçu le terrain. Ils m'ont appelé un matin de me donner mon agrément de la fondation. J'avais déjà construit la fondation avant de lancer des demandes. J'étais déjà actif sur le terrain. Mais avant de donner l'agrément, on fait une enquête de moralité. On envoie des gendarmes enquêter sur toi et ton passé. On va au ministère de l'Intérieur. Peut-être qu'ils ne savaient pas ça. On enquête sur vous. Et en fonction de ça, on va faire ressortir tout ce qu'ils ont vécu. Ils ont fait sur vous. Et ça fonctionne ça qu'on vous donne dans votre agrément. Parce que il faut quelqu'un de bonne moralité pour gérer une ONG de cette envergure. Mais l'État n'a rien donné comme subvention aujourd'hui. Mais moi, je n'ai pas fait ça pour de l'État. Je l'ai fait parce que c'est un besoin que je ressentais d'aider les enfants en difficulté. Ça, je le ressentais. Je voyais les enfants. Un monsieur petit qu'on appelle François, un jeune homme qui a marché de son village à Zaloto. Parce que son beau-père a pris couteau mis dans sa plaie, sort, quitte près de ma femme. Piqué, je ne veux pas le voir. Enfilé de père. Il en fait, je ne se retrouvais pas. Je l'ai récupéré. Aujourd'hui, il fréquente, il est dans les bonnes conditions. J'ai créé des conditions pour aider les enfants en difficulté. La Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront insensibles. Ils ne seront pas sensibles. Vois un enfant en train de souffrir. Et tu fais rien. Ton seul but, c'est d'attaquer, de détruire des gens dénigrés. Les gens seront insensibles. Vous ne savez pas construire, mais vous êtes experts en destruction. C'est l'esprit diable. Vous ne savez pas comment inverser dans un orphelinat. Demandez-vous comment ça fait par moi. Sauf ça que ce n'est pas n'importe qui va construire un orphelinat. Parce que je ne suis pas seulement de maître, mais je suis d'entretenir le projet. C'est l'argent. Hein? Merci pour ceux qui nous aident de temps en temps. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne dirai pas vos noms pour crier les jaloux. Mais merci, vous reconnaissez. Que Dieu se souvienne de vous et de vos enfants. Amen. Parce que c'est lui l'enseigne et le répand après. Amen. Si vous avez semé, le jour où vos enfants seront dans les difficultés, Dieu s'élèvera pour vous assister. Parce que c'est la bénédiction qu'on cherche sur cette terre. Et c'est être enrichi. Donc ce qu'on fait, c'est la bénédiction. Si on n'a pas ça aujourd'hui, nos enfants auront ça demain. Que Dieu vous bénisse. Les gens seront insensibles. Ne soyez pas étonnés. Moi-même, à peine même le temps. J'ai dit, depuis que j'ai commencé à rentrer dans cette histoire de Dieu et de délivrance, même un boutillier, même un poulet, j'ai peur. Je suis sensible au sang. Quand il y a un accident, je ne reste pas. J'ai tout dit au chat. Allez, dégage. Je ne peux pas regarder le sang. Juste quand je vois les enfants en train de tirer dans le caveau, tirer le cercueil, regarder, enlever le vêtement. Oh! J'ai dit, c'est la catastrophe, c'est fini. C'est fini, c'est fini. On y va, pasteur. Insensible, déloyaux. Déloyaux, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'est pas loyal. Quelqu'un qui n'est pas loyal. C'est la Bible qui dit, c'est pas prophète la soirée. Tout ce qui est pris là, c'est biblique. De quoi? Des loyaux. Des loyaux. Car... Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'est pas loyal. Quelqu'un qui est loyal, ça veut dire quel que soit les problèmes que toi tu as, il est toujours avec toi. Il ne te lâche jamais. C'est ça la loyauté. Jonathan, t'as dit. Jonathan, c'est un modèle de la loyauté. Son papa cherchait à détruire. Or, Jonathan est le prince du royaume. Celui qui ne veut pas la royauté. Mais, à cause des liens qu'il y avait, à cause des liens de David à lui, il a protégé David. Mais les gens, tu as un problème qui abandonne. Et puis, il va à la région de Pointe, le camp à Dès. Je vous dis moi-même là, je n'ai pas aimé ma frère. Mais maintenant là, ce qui est pensé de lui là, c'est vrai. C'était. La loyauté, c'est une vertu. Il y a beaucoup qui n'ont pas ça. Rester avec toi dans les difficultés, il y a beaucoup qui n'ont pas ça. Amen. Qui a dit Jésus, le jour t'attrape, moi-même, avec tes défunts. Le jour t'attrape, Jésus, il a fui. Il n'y a pas peur de rien. Il dit, toi, tu dis ça, va bien. Il est blessé. Non. Viens, viens chez toi, tu as possédé. Dans les
si il est mort, madame, tu as procédé, tu as me tué. Assis, me laisse ma pierre. Je ne suis même pas bien sûr, je suis Émile. Il a servi le nom. Qui est venu? Regardez le monsieur. Jésus l'a réalisé comme ça. Après les trois corps du sang du corps, il a réalisé le réel du vécu. C'est pas la parole qui est. C'est pas ça. C'est le cœur. J'ai traversé les moments difficiles. J'ai vu la loyauté. J'ai connu ce qu'on appelle loyauté. J'ai vu ça pour personne. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Calomniateur. Calomniateur. Au dernier moment, ils vont calomnier. Ils vont mal parler. Calomnier. Ne soyez pas étonnés si les gens sont sur Facebook en train de chuter. Ils disent dans les derniers temps, les gens seront des calomniateurs. Ils vont calomnier. Ils vont jamais parler bien des gens. Ils vont continuer à calomnier. À calomnier. Ils seront des calomniateurs. Intempérants. Cruels. Crier! Vous voyez, les gens sont criés, comme on avait crié hier. Comment on peut aller sortir un corps et chercher à quoi faire? Crier! Prends comment un monsieur en Côte d'Ivoire, et il prend la visite et tue un gendarme. En plein jour, tuer un corps à pied. Ils sont allés crier, les gens. Amen. C'est qui explique les mines, les gens? Mais la Bible en parle qu'au dernier temps, ça sera le signe. Ennemi des gens de bien. Ennemi des gens de bien. Il y a des gens, ils n'aiment pas les bonnes choses. Vous allez les voir toujours dans le quartier ou bien dans le groupe des gens qui insultent. Ils sont toujours là-bas. Amen. Et regardez laquelle est. Vous n'allez jamais les voir où on aime les orphelins, où on prie le Seigneur bien, bien. Mais où on insulte. Tu vas le voir là. Parce que ça est dans son sang. Amen. Tu es poussière, tu retourneras là. On retourne à ce qu'on est. Ennemi des choses du bien. On peut mal parler de quelqu'un, mais au moins il y a quelque chose pour rétablir d'une personne. C'est vrai que les gens ne sont pas parfaits, mais au moins il y a des actes que quelqu'un pose. Il faut reconnaître ça un peu. Qu'on ne reconnaît pas du tout que le gars n'a rien fait, c'est de toi-même. Tu es un calomniateur. Parce que c'est différent des critiques et des calomnies. Non, voici les erreurs que je critique, mais j'apprécie ça. C'est ça les critiques. Parce que quand tu critiques, tu dis ce que tu vois de mauvais et puis tu mets la personne sur le bon chemin. Et puis tu dis, oui, je te critique, mais ça fait des bonnes choses. Tu ne deviens plus un calomniateur. J'entends les critiquer. Je reconnais telle qualité en toi, mais voici tes erreurs. Mais il faut changer, il faut faire comme ça. C'est ça l'esprit des critiques. Parce que les critiques nous révèlent les choses les plus cachées, et puis en même temps, elles dévoilent les bonnes choses, et puis avec les choses sur le bon chemin. Donc il y a une différence en calomnie. Or, le calomniateur, il ne reconnaît rien de bon en toi, il te détruit seulement. Lui, tout son souhait, c'est de te voir à terre, qu'on est battu de toi. On y va. Traître. Ils seront traîtres. Oh là là! Comment on appelle le père, c'est qui? Le père, c'est qui? Non, oh là là, je suis dans les détresses, comment ça existe, le père? Qu'est-ce que signifie traître? Celui qui trahit. Sinon, il y a des judas, même dans les chiens, judas. Pour la judas, il y a mort, hein. Laissez le traître. Le judas, pas ces judas, ouais. Il y a des petits enfants de judas. Ils sont prêts. Un traître, c'est qui? Ah, vous ne connaissez pas? Non, celui qui te trahit. Celui à qui tu as mis ta confiance, et bien matin, il te détruit. Il te lâche. Il te vend. Des traites. Tu penses en train de faire quelque chose de bon, mais lui, derrière sa tête, c'est de prendre ta place. Derrière sa tête, c'est de t'éliminer et puis de régner. Ce sang qui t'aide, il est. On l'appelle Aïe, Aïe, Fouet. Aïe, Aïe. Quand tu bailles, Aïe, Aïe, Fouet. Bonjour. En chinois, il appelle Bonjour. J'ai trouvé le mot. Allez, c'est pourquoi je suis en train de m'amuser.
Onction. Il s'appelle onction. Et c'est la vérité que je suis en train de dire. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'inventé. Hein. Je suis allé chercher, ça s'appelle onction. Maintenant, sorcellerie, c'est onction. Sorcellerie, c'est onction. Et il y a tout le monde, les gars. Ils sont tous bonjour. Ils ont trouvé le nom même. Bonjour. Les gens ont trouvé bien. Bonjour. Vous avez dit sorcellerie. Un sorcier. Bonjour. Un traître. Il est avec toi. Il mange avec toi. Il conspire les choses contre toi. Comment te détruire? Ça lui dit. Il regarde la technique. Comment te détruire? Un monsieur qu'on s'en appelle Conchon. Il est Conchon. Conchon. Intrête. Il vient donner un baiser à Jésus. Non, tu sais que je t'aime. Jésus te réhabite. Tu viens de prendre mon mariage. Tu m'as déjà vendu. Tu vois, tu m'as déjà vendu. Et la plupart des traîtres, ce sont ceux qui sont avec vous, côté avec vous. Ils ont des le visage d'un ange. Très bien ange, tout ça. Vous pensez que quoi? Vous pensez que dernier moment, c'est les faux prophètes. Pourquoi vous dites que les faux hommes de Dieu? Pourquoi c'est ce verset-là qui ressort toujours dans vos prédications? Arrêtez ça. On dit, il voit les têtes. Il voit les têtes. Il voit les têtes. Amen. Emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ce que nous voyons. Les gens, ils préfèrent aller dans les bois de nuit, veiller, plaisir. C'est plus que Dieu. Plus tu parles de Dieu, les gens ne sont pas contents. Quand il y a des soirées, c'est plein. Et aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Sont orgueilleux. Ils aiment plus le plaisir de Dieu. Dans les derniers temps, dit la Bible. Amen. On y va. Ayant l'apparence de la piété. De la piété. Mais reniant ce qui en fait la force. Ils ont l'apparence de la piété, ils sont bien, je le regarde. Oh, lui là, c'est un âme. Oh, c'est un Satan, bonjour. Oh, c'est un cochon. Éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible dit éloigne-toi de ces hommes-là. Vous savez, la Bible dit que quand tu découvres que quelqu'un, n'est-ce pas, est un calomniateur, quelqu'un, c'est quelqu'un qui cherche à nuire. La Bible dit, éloigne-toi de ces gens-là. Allons-y la parole, allons marceau. Oui, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, oui, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que. J'étais dit sur le 5. Mon passage est basé sur le 5. Le prix que le 5. D'accord. Voilà. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloignez-vous de ces gens-là. Amen. Allons-y dans le psaume. Le psaume de chapitre 1, je vais terminer par là. Le psaume de chapitre 1, le verset 1 à 2. Écoutez bien la parole. Vous qui aimez nous mettre avec, ensemble avec les gens qui sont calomniés, vous voyez aujourd'hui, c'est clair. Quand tu quittes cette, quand tu quittes ce soir, va relire ta Bible. Tu prends 2 Timothée, le chapitre 3. Si tu veux bien lire tout le chapitre 3, si tu veux lire tout le chapitre 3, tu vas comprendre que dans les derniers temps, voici ce qui va réellement se passer. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Tout la plupart des gens, comment nuire à la vie des autres? Et je l'ai posté sur mon Facebook. J'ai dit, les gens, ils cherchent toujours à enquêter comment tu as eu ta richesse. Mais ils ne cherchent pas à demander comment tu es devenu pauvre. Ça n'a rien d'intéressant. Amen. Si tu es pauvre, tu ne cherches pas à enquêter comment tu es devenu pauvre. Ça n'a rien d'intéressant. Maintenant, tu commences à être riche. Comment tu es riche? Quand ils enquêtent, c'est ça. Amen. Maintenant, tu deviens pauvre, ça n'a rien d'intéressant. Hein? Comment tu es devenu pauvre pour enquêter? C'est ça. Tu vois, les gens ont plus l'esprit de mal. Comment lui dans les derniers temps? Amen, papa. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La Bible dit, tu seras heureux. Si tu veux être heureux, la Bible ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Combien de fois
fois les gens s'asseyent, ils conspirent. Quand quelqu'un qui te parlait d'un autre dans le but de le détruire, tu dois t'éloigner de ça. Non. Tu ne t'arrêtes pas sur la voie des méchants. Tu ne t'arrêtes pas sur la voie des méchants. Et qui ne s'en sert pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'en sert pas en compagnie des moqueurs, comme mes soeurs qui sont toujours là en train de se moquer de l'autre, qui sont toujours là en train de se moquer de l'autre. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit même qui trouve sa loi, son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il y en a combien qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel? Il y en a combien? Vous avez des problèmes, vous voulez que Dieu, on prie pour vous, que Dieu vous guérisse. Mais à un moment de votre vie, tout ce que vous avez fait, c'est de détruire. Ça peut être une malédiction. C'est le karma. Le mal revient vers toi. Ah non, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ah, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Ah, tu ne comprends pas. Ah, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Ah, tu as géré, tu as brillé. Aucun homme de Dieu, il y a ce qu'on appelle anti-miracle. Il y a des miracles, il y a des vies, aucun homme de Dieu ne peut. Il y a des choses, ce qu'il fait. C'est-à-dire les gens qui cherchent à détruire. Comme Dieu a dit à Caïn. Comme Dieu a dit à Caïn. Il y a des gens, quand vous passez votre temps de détruire, c'est une malédiction générationnelle. C'est-à-dire, vous serez maudits de génération en génération. C'est pourquoi il dit ça. Amen. Après que quand quelque chose arrive, vous allez fréquenter peut-être une église, un homme de Dieu. Regardez, faites-le comme ça. Compris pour vous, il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas la force d'un homme de Dieu, mais c'est une malédiction qui est sur vous. Amen. Amen. Trouvez votre plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est pour ça que quand il y a des aliments, moi je prends ma Bible et regarde ce que la Bible dit. Amen. Moi j'ai lu plus de 30 fois la Bible. Beaucoup sont sûrs que je n'ai pas lu une fois toute la Bible. Donc j'ai peur. Ça veut dire, mais où vous basez sur quoi vous parlez? Facebook a dit que. YouTube a dit que. Hein? YouTube là, ça a dit. Il y a des gens même, ils se réveillent matin sur Facebook. Ils font le tour de Facebook. Ils font même le tour. Vous allez les mots, tu m'as mis pour rien. Et donc, oh, qu'est-ce que vous avez forcé comme photo? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est l'ennemi, il ne va pas. À partir de minuit, 1h du matin. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Bonjour. Fais chez toi. Et chauffe. Pendant que tu dors, je me couche, je m'endors en paix. Car toi, Éternel, tu me donnes de la sécurité de ma demeure. C'est là qu'il fait bonjour. La nuit est faite pour dormir. Tu fais quoi? 2h du matin, c'est une instruction de ton papa. Mais qui le trouve? Au lieu de lire la Bible, c'est Facebook qui t'attend de te balader. Bonjour. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? Et qui la médite? Qui la médite jour et nuit? Ils sont acclamés. Qui la médite jour et nuit? Qui la médite? 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 Qui la médite jour et nuit? Qui la médite? Qui médite la parole de Dieu? Tout son avancée, c'est sur les choses de Dieu. Médite jour et nuit. On n'a pas dit qu'il construit, il pense comment détruire l'autre. Il médite la parole de Dieu. Un fait de Dieu, c'est celui qui médite comment faire la volonté de Dieu. Comment faire la volonté de Dieu. Comment faire? C'est ça l'objet de ses pensées. C'est pas chercher à détruire l'autre. Bonjour. Jusqu'à verset 4, d'accord. Est-ce qu'on peut jamais Jésus-Christ de la main? Alléluia. Est-ce qu'on peut jamais Jésus-Christ? Alléluia. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On dit que cette personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais il faut s'asseoir. Qui donne son fruit en sa
dans sa saison et dans le feuillage. Vous savez que la bénédiction est saisonnière. Ça veut dire quoi? Quand il y a un concours, il y a quelque chose qu'on doit faire. Quand toi tu déposes ton CV, on doit te prendre. Amen. On doit te prendre. Il donne pas sa pluie en sa saison. Tu as envie de te marier, le mariage se présente à toi. Il y a un problème d'enfantement, l'enfantement vient. Amen. Si seulement tu as attaché à la parole de Dieu. Amen. Et dans le feuillage ne fleurit point. Dans le feuillage ne fleurit point. Tout ce qu'il fait lui vient ici. Très bien. On dit tout ce qu'il fait lui vient ici. Pourquoi toi, tu fais ce qu'il fait lui ne réussit pas? J'ai l'impression. Pourquoi tout ce que tu fais ne te réussit pas? Lis ce passage, tu comprendras. Pourquoi c'est les malédictions qui t'arrivent? Pourquoi c'est le malheur qui t'arrive? Il est important que nous puissions nous répentir par moi. Même si la sorcellerie vient à voir, la raison c'est quoi? Elle a une raison valable. Si toi-même tu prêtes le front au diable, il frappe. Ressaisissons-nous et cherchons à faire la volonté de Dieu. C'est plus important que tout ça. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Cherchons à faire la volonté de Dieu. Vous savez, les gens ils viennent parce qu'ils ont des problèmes. Vous savez que les gens viennent parce qu'ils veulent qu'on prie pour eux. Mais pour marcher avec Dieu, c'est difficile pour eux. Or, oh, Dieu te délivre le servir. Non, Dieu. Si, Dieu te délivre le servir. Il ne voit pas sans toi qu'il ne te bénit pas. Ah, il va te délivrer. Tu es allé chez l'autre. C'est là. Lui te délivre. Lui va te rendre propre. Tu es allé chez le gars. Ah, toi aussi. Toi aussi. Lorsqu'il me bénit, moi-même là, là, c'est pour le Seigneur. Ce qui te délivre, c'est pour l'heure. Est-ce que ma mère saisit? C'est pour ça qu'il ne te bénit pas. Parce qu'on a des intentions. Amen. Amen. Il connaît tes intentions. Il connaît tes intentions. Il connaît tes intentions. Comment est-ce que tu ne connais pas le cœur de chacun d'entre nous? Hein? Celui qui sont des cœurs, c'est les reins. Pourquoi t'as pas besoin d'argent? Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Seigneur. Oh, le Seigneur, ton monde que tu fais là, on connaît le sens de ça. J'ai connu quelqu'un dans notre région, dans beaucoup de choses. Quand Cacao sort, parce qu'il a traite, chez nous les compteurs en banlieue, dans les villes, on a l'argent. C'est comme ça avec les jeunes. Lui, quand il est à partir de ce mois, hein, il devient païen jusqu'en janvier. Quand les janvier, où il voyait l'église avec lui. Il est italien. Il a un sens, ça y est, à l'argent. Dès qu'il a l'argent, il devient païen. Il se prétise, il prend, il boit païen, il boit du vin, il va abouter, il va, il se balade. Et c'est quand il est croisé. Mais un homme comme ça, est-ce que Dieu peut lui donner l'argent? Non. Il est mort dans ça. Tu le mets, il a pas le temps. Oh, il a appelé, je vois, il est soumis. Il est soumis. Les soumis, ils marchent gauche-gauche. Je ne sais pas si l'air, comment ça est, c'est de l'envoyer à gauche. Il va tout à gauche. Que Dieu nous aide. Amen. Il dit tout ce qui fait le réussir. Si nous voulons pas la réussir dans notre vie et celle de nos enfants, commençons déjà nous-mêmes à nous attacher à la parole de Dieu. Amen. Même s'il y a des difficultés, je suis quelqu'un devant l'église. Mais est-ce que tu es attaché à la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu t'attaches à la parole de Dieu? Amen. Retenons la parole, la source, à la parole de Dieu. Attachons-nous à cette parole, bien-aimé. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Amen. Vous levez les mains. Par moment, il y a ce qu'on appelle une malédiction qui plane sur nous. Il y a des dettes que nous payons. Des dettes que
péchés que nous payons. Et les enfants vivent la même chose, et c'est dangereux. Nos parents tissaient des pactes avec le diable. Et cette malédiction qui nous frappait est en train de frapper celles de nos enfants. Nous allons prier et demander pardon à Dieu. Nous levons les mains et demandons pardon à Dieu. Prions le Seigneur. Levons les mains et commencez à demander pardon. Prions le Seigneur. Prions. Commencez à prier. Je vais vous prier. Dans le nom précieux de Jésus, nous voulons prier, Seigneur, notre cœur. Nous voulons te rendre toute ta gloire. Merci. Merci parce que tu es Dieu. Nous te rendons ta gloire. Merci pour ta Seigneur. Nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Nous te rendons la gloire. Merci pour ta Seigneur. Il faut lever la main et commencer à dire à Dieu, je te délivre. Commencez à dire à Dieu, je te délivre. Dieu, je te délivre. Commencez à dire à Dieu, je te délivre. Commencez à dire à Dieu, je te délivre. Commencez à prier. Yeah.
promesse est que Dieu se manifeste pleinement dans votre vie. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu et Dieu est là. Amen. Quand Dieu est dans, pas quelque part, il confirme par les signes de se manifester. Amen. Par les signes qui prouvent que Dieu est là. Amen. C'est ta foi qui t'amènera à posséder ta délivrance. Amen. Et ton miracle. Amen. Pendant que je priais pour cette dame, je sais que juste derrière, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui t'a maraboutée. Pendant que je priais pour toi, il y a quelqu'un qui t'a maraboutée. Et qui a fait de sorte que tu ne sois plus heureuse. Comme on a la caméra, il y a des choses que je n'ose pas dire. Je te laisse mon message, je vais parler de ça. Amen. Amen. Dieu va t'aider. Amen. De l'autre côté. Ça va quoi? Non, ça va bien. Oui, parce que je suis spirituel et tu n'as pas conscience de ce que j'ai pas entendu. J'ai vu une dame prendre ton cerveau. Qui a remplacé ça avec un esprit de vagabondage et des esprits de drogue et d'exclusion. C'est pas ça? Hein? Bon, la date, d'accord, ça n'intéresse pas. D'où ça vient? Mais ils t'ont rendu quoi, lui? Tu as confiance en ça? Ok. Mais pendant que je touchais ma tête, je voyais le problème, je voyais ça. Laisse-moi te dire quelque chose, tu es bien pour Jésus. Amen. Amen. Ce qui t'arrive ne vient pas de toi. Amen. Avant, j'ai dépassé les esprits en train de vivre. Je vais passer de ce qui t'arrive. Parce que tu as eu l'étoile de la famille. Amen. Amen. Et non, pardon, c'est écrit à mes parents. D'où vient le problème? Amen. Je te parle en secret. J'ai décidé le problème, selon Dieu. Pendant que je parlais, Dieu m'ouvrait les yeux. C'est ça, mon choc prophétique. Amen. Amen. Exactement. Rien du tout. Il est resté en classe de seconde pendant, je crois,
commande 3 jours. Il va faire. Voilà. Donc c'est comme ça, il va là, il va là, pas d'accord. Rien du tout. C'est pas moi, je veux dire, à la maison de Dieu, quand quelqu'un est comme ça, c'est que quelque part, Dieu a mis une étoile vraiment sur lui. Mais c'est un saint chirurgien qui soit dans les détruits. Mais Dieu va nous sauver là. Hein? À chaque fois que tu as Jésus, Dieu va nous sauver. Jésus est venu nous racheter. Jésus va le récupérer, il va nous le donner. Il va aller prendre l'école, ça va marcher. Parole de prophète. Cette parole s'accomplira. C'est pas possible. Il y a des choses qui vous dépassent. Et comme ça vous dépasse, ça ne dépasse pas les compétences de Dieu. Amen. C'est Dieu qui l'a créé en lui donnant la destinée. Amen. Et comme vous avez dit, Dieu, voici la chose. Alors Dieu révèle déjà l'origine du problème. Amen. Fini vos larmes. C'est fini ça. Amen. C'est fini. Mon ami n'a pas dépensé, tu es venu ici, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas dépensé, mais c'est comme ça. Où tu es fatigué? C'est la fille. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur? Amen. Tu déclares la fin du célibat. Tu déclares la fin de la stérilité. Amen. Tu
tu verras la fin de la pauvreté sur ta vie. Et tu verras cette semence générera en toi et portera le fruit. Amen. 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 Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Allez, regagnez vos places, que vous bénisse. Tout à l'heure, je vais recevoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Excellent mois de septembre, on acclame le Seigneur. Amen. Alléluia, sans que le Saint-Esprit de Jésus de Nazareth.